On l'a mis à 4 heures. À l'aide d'une pince, déposer le poulet tel quel sur un plateau et le présenter pour fondre. Laissez reposer 5 minutes. Retirez doucement le poulet de la canette. Attention, la bière sera très chaude. Ah ouais. Habituellement, j'ai de la bière, mais certains aiment l'utiliser pour faire la sauce barbecue. Ah. Attention à la sauce. À la sauce? À la bière. Ouais. Hey, les petits sont tout seuls, sont tout seuls. Non, il avait dit qu'il devait gagner. Non, les gars sont tout seuls déjà. Ah, les gars! C'est une belle technique, ça, d'aller surveiller les enfants comme ça. Je me tape la vaisselle. J'ai un de mes collègues pilotes qui m'a fait découvrir une série télévisée. C'est pas pour tout le monde. C'est une série qui a comme titre les motards. Et puis, un coup que tu as goûté à cette série-là, c'est dur d'arrêter. Alors, il m'a prêté les 4 premières saisons. Puis, quand tu écoutes une saison comme ça, quand ça joue à la télé sur une période de 4-5 mois, ben il présente une émission par semaine. Quand l'émission se termine, tu n'as pas le choix d'attendre à la semaine d'après pour voir la suite. Mais quand tu as toutes les CD à portée de main, c'est difficile de dire non à la prochaine épisode. Mm-hmm. Alors, j'ai écouté les 5 saisons des Sons of Anarchy. Puis, un autre collègue avait la 5e saison qu'il avait téléchargée sur Internet. Alors, je me suis tapé les 5 saisons des Sons of Anarchy, qui étaient excellents. Alors, M. Thibault, belle découverte que tu m'as fait découvrir.
Mon protocole de communication Bluetooth n'a pas l'air de bien fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un autre appareil déconnecté. C'est pour ça que ça fonctionne. Manquez pas ça, c'est palpitant. Là. Défaire le lave-vaisselle. Tâche qu'il faut faire au moins une fois, sinon deux par jour, dans une famille comme la nôtre. Des fois, vous partez pendant longtemps, quand même, non? Non, non, les déplacements sont limités. Là. Je fais seulement Québec-Trois-Rivières. Ça. À peine 72 000 marins, alors ça prend pas. Les voyages durent en moyenne 6h30. Alors, des fois, je suis parti plus longtemps parce que je vais coucher à Québec, je ne reviendrai pas à Trois-Rivières parce que je vais être fatigué. Sinon. C'est bon. Les poulets sur la cacane sont.
J'ai déjà parti longtemps, par exemple. Avant de rentrer au pilotage, j'ai navigué pendant 7 ans. Puis pendant ces années-là, j'ai fait des voyages jusqu'à 5 mois et demi de durée. Mon dernier grand voyage, je suis parti. Zachary, mon plus grand des fils, avait 3 semaines. Puis quand je suis revenu, il y avait 5 mois et demi. Alors, ça a été mon dernier grand voyage. Après ça, j'ai trouvé des emplois au cabotage, c'est-à-dire de la navigation plus près de la maison. Puis après, je suis rentré apprenti pilote entre Québec et Trois-Rivières. Alors, mes déplacements se sont limités à des voyages entre Québec et Trois-Rivières. Bon, on va renseigner notre problème. Oui, allô? Allô? Oui? OK. Évelyne Goulet. Oui? D'accord. Oui, oui. C'est la coiffeuse du chien. OK. OK, parfait. $37,40 la boissière, oui. Parfait. OK, merci. Bonjour. Bon, le chien a son rendez-vous chez la coiffeuse. On est en business. Je vais dire à Evelyne parce que c'est elle qui va aller là. Je vais aller porter. Evelyne, demain matin pour le chien, c'est correct? À 8h30. Non, c'est pas vrai. On va tirer le portant en passant. Je vais embarquer vers 8-9h, là. Ah, oh, mais tu m'as... On ira le chercher demain après-midi. Hein? On ira le chercher demain après-midi. J'irai, mais que je me lève, là. Ah, là, j'ai dit oui. Tu as dit oui? Ouais. Tu as dit que j'irai avant ma dernière? Oui. Oui, bonjour, c'est Pierre Vallée qui parle. Vous venez d'appeler pour mon chien, Kennedy. Ma femme travaille demain matin. Est-ce qu'elle peut passer un petit peu avant 8h30? À 7h30, OK, parfait. Puis moi, je pourrais aller le chercher probablement début d'après-midi. Est-ce que c'est trop long pour vous? OK, puis vous revenez à quelle heure? Oui.
Ben, pas vraiment, non. Demain, c'était parfait. Si jamais vous partez, est-ce que vous avez une cage ou... Non, non, mais vous pourriez me rappeler... si je peux pas aller chercher avant midi et demi, vous pourriez me rappeler en arrivant, comme ça je vais aller chercher quand vous arrivez? Ok. 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 Bon, ben, laissez faire, on va rappeler. Bonjour. Bon. Fallait aller le chercher absolument avant midi et demi. Fait que j'ai cancellé. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je fasse? Hein? C'est tout. Ah ben... Oui, là, mais elle m'a pas dit quand, là. Samedi matin, là, les petits vont aller pêcher. Avec qui? Avec... Le club de chasse de Fred, ils font une journée promotion de la pêche, puis il va y aller avec Samy. Où est la pâte de pêche? Il va y aller avec Samy. Joe, Fick puis Samy. Quoi? Non, les gars. Pacifique, Joe puis Samy. C'est ça? Fait que moi, si j'ai un bateau, tu vas les porter. Il faut que tu sois là-bas à 8h30 maximum. Papa? Samedi matin. Papa? Si je suis là, je vais aller porter, mais c'est pas les parents, c'est juste les petits. Fred, il va être là? Oui. Oui? Avec Samy aussi? Oui? C'est gratuit, maman! Hey, Joe, est-ce qu'il peut venir? Je pense pas, non? Ouais. Ben, parce que j'ai donné juste les trois noms. Désolé. À Bécancourt! Hein? Le dauphin, le requin blanc, puis l'espadon. Ah, ben là, vous allez pouvoir rencontrer mon autre garçon, oui. Zachary. Alors, Zachary est en secondaire 2, ouais. 14 ans, toutes ses dents. Puis hier, c'était le lancement de son projet de livre. Dans le cadre d'un concours qui s'appelait Parler sans fausse note. Puis Zachary a été le gagnant du troisième prix. Puis le projet, c'était la production d'un livre pour la promotion de la langue française, puis aussi pour démontrer leur fierté à la ville de Trois-Rivières. Puis c'est le livre en question. Alors, il a été lancé hier en grande pompe. Puis on était pas mal fiers de notre grand, franchement, là. Ben oui. Grand-papa est venu, c'est puis tout le téléphone. Puis, que? Tu t'es-tu branché sur le Samsung? Je sais pas si je t'encore ici. Ouais, ben je pense que oui, parce que j'étais pas capable de me brancher tantôt. Non, je suis plus dessus. T'es sûr? Ouais. Il n'est pas activé mon Bluetooth, je sais pas, parce que ça prend de la vie. Ouais. Effectivement, mais... J'y ai chez Guillaume. Quand? Là. Pourquoi? Pour aller gamer à Colombeur. Ok, mais. On a comme tout fini nos affaires, on n'a pas d'affaires jusqu'à la fin de la jusqu'à la fin de semaine. Vous avez rien pour jusqu'à la fin de semaine? Ouais. Ok. Ben, et puis demain, je resterai à la maison. Pourquoi? Parce que c'est demain l'activité, puis j'ai toujours pas rapporté le papier. Il est comme trop tard, là. Ben voyons donc, tu iras, puis ils vont prendre pareil. Non, les bus sont déjà toutes pleines, puis tout fait, l'horaire est fait, qui va avec eux, puis tout. Ben voyons donc. Ouais. Ça, c'est pas chaud.
C'est un automatisme. Ah, non, c'est pas moi, c'est les petits qui ont rentré. Parce que ma femme me fait toujours cette... Ma femme me fait toujours ce commentaire-là. On suit pour rentrer, puis elle barre la porte, elle dit « Excuse-moi, c'est un automatisme. » Les enfants l'ont barré, mais la réplique était facile. Bon, ben ça marche vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais? Les horaires sont faits puis les bus sont complets. Il ne reste plus une place. Ouais, tout est dans la classe puis tout, là, puis ils ont déjà envoyé les enfants dans votre quartier pour recevoir les billets. Oui, pour pas être obligé d'attendre là-bas puis tout. Ah, c'est pas fort ça. Puis, je sais, j'avais dit à maman puis tout, puis c'est pour remettre le 17 mai. Maman avait dit ah oh, oui, on va faire ça le lendemain, puis on y a jamais pensé là. Pas non plus? Non. Ça c'est pas le fun ça. Oui, d'accord. Bye. Ici? Ouais, je pense que oui. Je vais appeler ma mère pour lui dire. Ok. Mais il faut que tu demandes à ta mère avant, Joël, parce que ta mère, elle voulait que tu sois chez vous à 5h moins quart. Ouais, je vais demander. Ok. Mais je vais aller faire mes devoirs puis je vais rappeler. Ok, vas-y. Parce qu'elle voulait que tu sois chez vous à 5h moins quart. Ok, il est quelle heure? Il est 4h28. Il est 4h30. Il te reste pas. Tu peux rester encore 5 minutes. As-tu vu Zach, là? Quoi? Il ne peut pas aller à son activité demain. Pourquoi? Parce que les bus sont complets, les horaires sont faits, les noms sont envoyés vers le quartier pour avoir les billets, tout. Qui a dit ça? Lui. Il t'a appelé? Il est venu, là. Il était allé dans le garage tantôt. Regarde! Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Il va rester ici. Hé hey, les gars, non, là, on sort pas ça pacifique, là. Ok, mais Joey s'en va chez eux dans 5 minutes, fait que... Je pense pas qu'il va s'en plaindre même dans la pièce, c'est ça. Je savais même pas c'était quoi, là. Toi, c'était quoi? Miam! Je savais pas c'était là. Joey, tu pensais que c'était... Je pensais que c'était des petites patates. Pacifique, moi, je fais ça dans la pièce. Attention, Joe, c'est chaud, là. C'est chaud, là. C'est chaud, là. C'est lui qui est venu te dire ça? Oui, il est parti chez Guillaume. Il est parti chez Guillaume? Oui. Il va revenir quand? D'accord, il l'appelle. Papa, il y a un monsieur sur ça, c'est bon. Ok, il reste ici demain? Je sais pas, non. Oui. Bon, écoute, je pense pas qu'il va s'en faire. Bon,
pas moi non plus, là, mais c'est plate, par exemple. Il y en a ce bout demain, regarde l'après-midi, on est bien. Bon. Il y a moyen, là. Il n'y a aucune activité disponible? Hein? Même pas dans la vieille prison, pour moi? Ben, je sais pas, là, mais tant qu'à la vieille prison. Voyons, Philippe, veux-tu tomber comme il faut? Moi, j'essaie de brancher mon Bluetooth. Dans ce côté, il y a tu goûtes. Oui. Il y a flash, ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Yes. OK. So, try to manage the time. So, one card is 4 hours? No, no, no. 2 hours, yeah. 16. Yeah, one is 12 minutes. OK, good. Quand tu fais bien d'aller quand on a des discussions, j'aime ça quand tu fais l'autre côté. Ouais. Parce que c'est un peu mal au cœur de changer. Le... Ouais. En même temps, c'est dynamisme 24 heures. Quand tu fais des mouvements bizarres, ouais, c'est ce que j'ai fait. L'action. L'action, oui. C'est chouette. Tu peux reprendre la caméra et tout. Okay. Je l'ai mis. Je vois quelque chose. Oui, ouais, c'est vrai. Nous, on va dormir chez le père de ma collègue qui est à Québec. Alors, on va débarquer du bateau. L'autre équipe va reprendre. Et nous, on va dormir 1h06. Après, on retourne. Je veux finir le tournage avec elle. 1 heure ou quelque chose encore, ou 2 heures avec lui, là. Hey, Joey, on n'assigne pas les mamans ici. Si maman a dit d'aller à la maison, tu vas à la maison, OK? Ouais, je sais. Parfait. C'est toi qui as baissé le son? Non, je sais, j'ai pas OK. Fait que tu y vas, là, mon homme? Ouais. OK, parfait. Joey, tu peux plus? Là, ça va marcher, on va avoir le son. Le son, hein. Il y a un très bon son pour une petite boîte comme ça. Là. C'est mon cadeau de Noël qui sonne bien comme ça. Aha. Tu vérifies ton poulet? Oui, super beau. Joaquin était bien inquiète, il pensait que les canettes étaient en train de fondre. Ça va bien aller. Je pense que t'as échappé ton petit bâton, Joey. Hein? Ouais. Joey? Je pense que t'as échappé ton petit bâton, mon homme. Ça, c'est mon truc de micro. Je vais. Ouais. Mon petit bâton rouge, je peux. Allez, garde ça. Garde. Bon, tu beau, mes petits poulets? Ouais, beau. Bah. La canette est pas fondue. La canette est pas fondue, on est correct. Ben non, on est correct. Joey, faut que tu ailles maintenant parce que tu vas être en retard. Ouais, je vais faire des choses. Ah, ok, correct. Vite, je pense que le fromage est disparu dans les deux. Dépose-lui à table ou quelque chose.